Donc bienvenue dans votre nouvel abri, superviseur. Nous allons voir les principes de base ensemble. Ok, tout début, faire un marteau. Ensuite, un petit générateur qu'on va faire là. Voilà, chaque étage a son propre truc. Nous avons maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur. Regardez! De nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Magnifique. On va prendre le premier. Ok, il est bon en force. Ah ok, faut déjà valider. Allez, prends-toi. Regardez aussi dans le générateur. Une deuxième qui est là. On peut pas voir ce que c'est. Ah là, force en deux. On la met dans le générateur également. Est-ce qu'on peut construire autre chose? Pas tout de suite. Ok, on l'attend. C'est vraiment pas à pas. C'est vraiment le début. En fait, je vais envoyer tout le monde dans l'outre-monde. Dans les terres oubliées, je veux dire. Et on va se quitter là pour ce premier épisode. Donc maintenant que les résidents sont à l'œuvre, la salle va produire des ressources. Double-cliquez sur la salle pour l'examiner. On va faire un petit rush à 33%. Nous avons Grace et Aaron. Rush réussi. Bravo, vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules. Il va nous falloir maintenant un fast-food. On va le mettre là. Ensuite, une petite salle de traitement de l'eau qu'on va mettre en dessous. Bien sûr, on peut faire étendre les salles à 3. Oui, on a déjà joué légèrement au jeu. Donc, on sait un peu mieux comment se dépatouiller là-dedans. Donc, spécial. Ok, elle est là. Pas grand-chose pour elle. Juste ses beaux yeux. Tout noir. Lui, il a quoi? Rien du tout. Bah, tu sais quoi? On le prend. Ah, c'est la nana que j'ai sélectionnée. On la prend. Et on la fait ressortir. Explorer. Toi, on te prend. On te met dedans. Et on te fait ressortir. Explorer. Toi, on te prend. Et on te refait sortir. Va explorer. Ah, elle va être bonne pour la bouffe. Ouais, c'est malheureux à dire, mais bon. C'est comme ça. Et toi, tu vas être bonne pour l'eau. Tant mieux. On va même pas faire ça comme ça. Hop, le reproducteur avec sa force. Là-haut, toi, ok, tu me produis tout ça. Là, on peut voir qu'on a des petits objectifs. Voilà, on a récupéré. On récupère 25 capsules. Comment récupérer des capsules? Soit en faisant un petit rush, comme ça. Tac, tac, tac. Là, on peut en récupérer 46. Soit en les envoyant dehors, comme là, je viens de faire. Bon, ils n'ont pas des stats folichonnes. Donc, tout simplement, il va falloir attendre. On va les laisser partir 3 quarts d'heure dehors. Eux, ils vont s'accoupler ces deux-là aussi. Et ensuite, le mec, je vais l'envoyer dehors. La nana, je vais l'envoyer dehors. Il faudra juste qu'on pense à avoir assez de bouffe. C'est tout. On fait un petit ascenseur en dessous. Voilà, pour pouvoir faire maison, réserve, tout ce que vous voulez en dessous. Ça, la bouffe, est-ce qu'on peut tenter le rush? Ouais, 31%, on va tenter le rush. Échec, qu'est-ce qui se passe en cas d'échec? Du feu, des râteaux, des rats scorpions, des tout ce que tu veux. Donc là on envoie plusieurs personnes histoire de gagner un peu d'XP et que ça soit résolu plus rapidement parce que vous voyez, enfin, on n'a pas eu le temps de le voir, mais la vie en fait diminue. Vous avez vu, il a gagné un peu d'XP. Lui aussi avec son premier rush. Ah, un nouveau péon arrive, on voit le plus un. Soit c'est une femme enceinte, soit c'est un mec qui arrive tout simplement. D'on ne sait pas où. Et ben là, il arrive de je ne sais pas où. Ouh. Et non, t'as pas les bonnes stats. Allez, va chercher, mon pote. Allez, vous serez bien vous copuler, les gars. Vous êtes toujours aussi sympa avec les autres résidents. Oh, 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 oh. Comme ils sont mignons. Ça pourra le péter quand on aura ce qu'il faudra. Et quand on aura besoin de descendre aussi bas. Donc ça c'est l'eau. Donc en fait on va faire par étage. Productivité, productivité. Là on va sans doute mettre l'inventaire. Donc ça va être pas productif. Ouais, des fois que si jamais on arrive à récupérer les petits robots. Andy, parce que oui, boutique, regardez, on peut s'acheter tout un tas de coffrets. Oh oui. On peut dépenser des sous-sous si on veut. Donc voilà, des petites Voltec, des petits bonus qu'on va voir. Là, des petits pets, des petits animaux, des petits Mr. Andy. Oui, on peut dépenser des sous-sous pour tout simplement avoir des bonus, c'est un peu comme tous les jeux en fait. En gros, c'est résumé comme ça. Alors, on n'a plus qu'à attendre tranquillement. Bah, 46% de rush. Non, 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 c'est trop, trop, trop. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner des trucs? 50 gold,
oula, 50 doses d'eau et un rush dans une salle, et affecter deux résidents à la bonne salle. Allez, faites des bébés! J'ai envie de vous aimer comme si le monde allait disparaître, ce qui est sûrement le cas. Oh oui, c'est comme il est romantique. Ah, il danse! Là, on peut accueillir jusqu'à 8 résidents, donc il va falloir que j'agrandisse les quartiers quand je pourrai. Quand eux, ils auront fini de faire leur bébé, j'agrandirai tout ça. Des fois que ça les gêne, il faudra 130 de capsules, hein, 184. Parce que... Ouais, regardez. Oh, les bisous. Appelez un docteur, j'ai un infarctus au cœur. Parce que vous êtes... laissez tomber, je trouve plus mes mots. Allez, hop, là, ils sont en train de faire un bébé. Tout, tout, tout. Oh là là, les petits smileys. Oh oui, on s'aime, on s'aime. C'est ça l'amour, les gars. C'est ça l'amour, les enfants. Nous, ils sont en train de copuler, mais heureusement, ce n'est pas un film pornographique, donc on ne les voit pas en pleine action. Toi, avec ton S, tu vas rester là. Toi, par contre, hein, pas parce que t'es enceinte que tu vas arrêter de bosser pour autant. Okay, toutes les associations antiracisme qui vont tomber dessus, je le sais. Antiracisme. Féministes qui vont me tomber dessus. Allez, un petit quartier, on l'agrandit. Hop, un nouveau. Bah oui, tiens, tu sais quoi? Avec tes stats de merde, tu sais ce que tu vas faire, tu vas rentrer. Et hop, comme tout le monde, tu vas sortir tout de suite. Toi, t'es bon en bouffe. Ah, c'est fou ça, on va faire bosser les nanas. Qu'est-ce que je suis cruel avec eux. Donc bouffe, on a ce qu'il faut. Donc les deux nanas, elles vont devoir rester là. Parce que quand t'es enceinte, tu peux pas aller explorer le monde, tu peux pas combattre. T'es une trouillarde en fait. Donc là, ils sont là depuis 2 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils sont partis 2 minutes et que tu fais retour, ils vont mettre 1 minute à revenir. En fait, ils mettent deux fois moins de temps à revenir. Et là, en fait, le but, c'est qu'ils me rappellent, ils me ramènent un maximum de... Oula, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Le but, c'est qu'ils me ramènent un maximum de capsules. Et en même temps, ils vont gagner de l'XP, voilà, qui est ici. Alors, cafard, approche, prêt à attaquer. Regardez, hop. Et trop rapide, j'en ai ma claque, donc à tous les coups, voilà, elle gagne pas d'XP, mais elle prend des dégâts. Dégâts, plusieurs moyens pour les soigner. Hop, ici, la petite seringue, ça c'est pour les radiations, la barre rouge qui apparaît. Ou alors tout simplement, il faut être juste positif en bouffe et qu'ils reviennent. Voilà, premier niveau 2, GG. Voilà, une petite volte qu'on vient de récupérer. On va pas en ouvrir qu'une seule, on va en ouvrir plusieurs en même temps. 50 doses d'eau ou un rush. Allez, 31%, ça a donné quoi? Échec, allez vite, 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 on intervient vite. Regardez, S casse. Si les rats de cafard trouvent personne, ils vont aller au-dessus. Allez, dépêche-toi ma cocotte. Donc là aussi, le oui, le but là-haut, c'est que personne n'a d'armes pour l'instant. Personne n'a trouvé. Le but c'est aussi qu'il me ramène des petites armes pour qu'on puisse mieux se défendre. Parce qu'il y a toute seule face à ces trucs là. Bon, elle va s'en sortir. Ok. Et alors, vous êtes plus sexy qu'une bouteille de Coca-Cola. D'ailleurs, j'en ai zéro. Pour l'instant, vous pouvez le voir. Je vais pouvoir en gagner au fur et à mesure en jouant. Charisme. Ouais, elle a rien du tout. Et tiens, un nouveau citoyen veut faire sa petite apparition. Ok, c'est endigué, elle gagne de l'XP, la nana va pouvoir revenir. T'as aucune compétence mon pote, toujours pas. Allez hop, tu fais comme tout le monde, explorer. Donc nous sommes à 10 péons pour l'instant. Là ce serait bien 45 secondes, tiens vas-y, va l'aider un peu là-haut. Sinon on va se retrouver dans le noir. Et si on se retrouve dans le noir, il se passe quoi? Il se passe que eux se retrouvent dans le noir et ils ne pourront pas copuler. Voilà, on passe à 22 secondes. 46%, on va voir qu'une fois que j'aurai récolté, logiquement, ça doit descendre un petit peu. Ça descend avec le temps, le pourcentage, sinon, on n'est pas dans la merde. Dans le rouge, allez, dépêche-toi, cocotte, dépêche-toi, cocotte, 5, allez. Voilà, on a récupéré. On peut le temps de se retrouver dans le noir. Toi, t'es bon en eau, en PP, perception, les gars. C'est pour l'eau. Ah, agilité, c'est pour la bouffe. Et S, comme strong, force, c'est pour la centrale électrique.
Eh ben, résiste pas, Lorraine! Allez, on attend plus que toi! Allez, hop, un nouveau péon. Et bon, ok. Charisme, mais c'est tout. Donc, toi, tu vas explorer. Allez, la stratégie du BBN. Allez, il serait bien que vous dansiez. Tu as une carte, je me perds dans les méandres de tes yeux. Ah, faut que je sorte à ma copine, ça, je suis sûr, elle va aimer quand je lui dirai tout ça. Bon, quand elle va voir la vidéo, elle va comprendre que. que voilà quoi. 41% rush. 36%. Ah, GG, t'as réussi! Une Voltec de récupérer. Allez, on va ouvrir les deux. Donc, on va avoir un quoi? Un péon, des armes, des caps, ça c'est sûr. Un Rada, ouais, on peut pas en produire pour l'instant, c'est bien pour l'instant. Accoutrement sur mesure, endurance plus 4, c'est bien. Caps 100, ok. Bric-à-brac, on s'en fout totalement. Et. Ah ouais, endurance plus 7, les mecs, ça c'est top. Il va pouvoir cavaler longtemps dans les terres oubliées. Chance plus 3. La conchimie, c'est bien si tu le dis. Nuka Cola Quantium x5. Voilà, on vient d'en récupérer. Caps plus 500. Et un péon peut-être. Un résident. Preston Garway. P, il est à fond. E, endurance, il est fort. Charisme, il est fort. Intelligence, il est fort. Ok, bah tu sais quoi, mon pote. Toi, t'as mis trop de temps. T'es relayé. Enfin, hop. Allez, hop, casse-toi. Non, attends. On va te mettre comme. Voilà. Ce petit truc. Allez, il est où l'autre? Ah oui, bah il est déjà là. Toi, tu vas être le reproducteur pour l'instant, toi. Oh là là. C'est quoi? Inventaire débloqué à tous les coups, vu le nombre de péons. Réserve. 300. On dit qu'on le faisait, voilà. Ici, là, on produit pas à cet âge-là. Force plus 2. Perception plus 2. Intelligence plus 2. Agilité plus 2. Ah, il est vraiment bon celui-là. Oh, et l'arme. Mousquet laser, 10-13. Et niveau 31. Merci, Preston Garway. Dès le début, bim bam boum. Est-ce qu'on a assez? Oui, on a assez pour accueillir un nouveau. T'as rien de spécial, toi. Tu sais quoi, hein? Pouf. Pouf, comme tout le monde. Un aller, un retour. On est bon partout. 7 minutes. Ça risque d'être chaud encore. Voilà. Ouais. Force, t'as rien de bon du tout. Ta tenue ne t'apporte aucun charisme. Donc, tu sais quoi, ta tenue, tu vas la. Ah, y'a qui qui peut la porter? Attends, je juste voir un truc. Inventaire, bim bam boum. Tenue. La vente pour 500. Non, t'es fou, toi. T'es fou. Accoutrement sur mesure, uniforme de munitions. Allez, on te redonne ça. Première fois que j'ai un personnage aussi haut dans mon parti, c'est maximum niveau 29. Et on a 60 de population. Allez, un appel pour vous, c'est le paradis. Il voudrait savoir si vous comptez rentrer. Bon, tu sais quoi, je vous laisse là-dessus. On va mettre en vitesse accélérée. Et on m'entendra même pas. Oui, il fait chaud, déshabille-toi, allez copuler, vite. C'est l'heure. Qu'un océan radioactif. Oh, le bâtard. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Zéro capsule. Alors ça, c'est ce qu'il avait trouvé. Aaron. 16 capsules, voilà. Le premier à trouver les capsules, enfin, que je vois. Lui, plus 2, ça va faire 18 capsules. 19 capsules.
21, 21 et 3, 1, 24 et 10, 34. Et en plus, il a gagné de l'XP. Ils ont toujours pas fait eux. Alors, on va juste essayer de cacher la souris. Alors là, ok, 43-50. 11 minutes carrément. Bah oui, c'est pas les bonnes personnes. Ils ont 3 en force au total. Lui, il a pas beaucoup, mais bon, ça ferait déjà 5 en force à lui tout seul. Ah oui, le bisou! Il y a encore une attaque de pierre. Oui, ils vont copuler! On va enfin pouvoir clôturer ce premier épisode. Oh oui, oh oui, oh oui. Tiens, on va se mettre sur le côté, voir si on les voit. Non, rien du tout. Ils sont bien cachés, hein. Il y a un lit, mais comme par hasard, ils vont sur l'autre. Ils vont pas sur cela non plus. Les petits vicieux, hein. Non, c'est moi le vicieux, en fait. Bon. C'est bon, il ressort, on en fait quoi de lui? On va l'envoyer? Ouais, vas-y, on l'envoie. Toi, t'es enceinte, t'es tout ce que tu veux. Tu vas là. Ici, pour l'instant, on a tout ce qu'il faut en bouffe. Bon, tu sais quoi? Hop, on regarde depuis combien de temps ils sont partis. On va laisser juste 3 quarts d'heure dehors. C'est dommage que tout le monde meure. Allez, on vient ici d'ici une demi-heure. D'ici une demi-heure, on ramène tout le monde. Et on... bah ça, ça sera là sur la deuxième vidéo, sur le deuxième épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé celui-là. Et à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure. À la prochaine. Salut, salut. C'est bon, c'est fini pour cette vidéo. Et tu sais quoi? Si t'as aimé, bah t'as le droit de liker et t'as surtout le droit de commenter, donner ton petit avis et surtout de la partager un peu partout. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut !